Alors par contre, non, ça va pas le faire. Parce que techniquement, je m'appelle Jean-Benoît. Pas sur le nom. Non mais déjà j'ai un prénom de merde. Ouais, fais un effort. C'est Jean-Baptiste ou pas? Non, c'est Jean-Benoît. C'est... Non, mais est-ce que Jean-Baptiste tu préfères ou non? Non, bah du coup non. Parce que c'est... pas comme ça que je m'appelle quoi. Voilà, moi je suis le dernier, hein, donc forcément je vais vous parler de tout ce qui a déjà été dit. Hein, accrochez-vous, courage, hein, c'est la fin. On va commencer classique, coronavirus. Voilà, coronavirus. Moi, j'ai toujours pas compris comment on pouvait avoir peur d'un virus qui a le nom d'une bière mexicaine dégueulasse qui pue la pisse. Moi, je l'attends, personnellement, parce que tu vois, je bosse en maison de retraite. Donc, les virus, ça me connaît. Ouais, c'est un petit peu l'épicentre hein, des virus du monde entier. Mais c'est un peu comme l'Afrique. Voilà. Hein, sauf que là, les gens ont les cheveux blancs, chicots sur vite et qui se baladent en couche-culotte façon rase-moquette. Du coup, un message pour le gouvernement. Voilà, si vous me regardez, voilà, si vous voulez du sang. Pour créer un antivirus, sans champion. Je suis là. 3 ans de maison de retraite, je suis vacciné. Hein. Je ne crains rien. Mon sang résiste à tout. À tous les virus, Ebola, Sida, Yanakamura, enfin à peu près tous les virus. Quelqu'un fait des comptes? On en est où des morts là? 2000? Ouais, ça avance pas assez vite. Hein. Bah attends, en comparaison, le moustique c'est 750 000 morts par an. Ouais. Et vu comme il nous casse les couilles l'été, je pense qu'il serait bien de revoir un petit peu nos priorités, hein, les plus un. Non, mais moi j'applaudis la Chine pour le corona, vraiment. Je dois être le seul, d'ailleurs. Non, je les félicite parce que, tu vois, heureusement qu'il y a encore des pays, hein, vraiment qu'une conscience hein, pour manger des chauves-souris, développer des virus et le transmettre. Non, mais on est combien sur cette planète hein, comme le disait David, c'est compliqué, tu vois. Mais moi je pense que c'est des écolos. Ouais, ouais, c'est des écolos qui ont inventé ça. Mais bon, en même temps, si tu remarques bien, c'est quand même des pays souvent très peuplés, hein, des pays de gros baiseurs. Du coup, j'en profite pour remercier toute l'Afrique, qui œuvre depuis des années au maintien de notre espèce. Et qui dit coronavirus et virus, dit sida, évidemment. Et qui dit sida, dit Saint-Valentin. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont fêté la Saint-Valentin hier, histoire de payer moins cher? Des crevards? Non de... Moi, je l'ai fait la semaine dernière. Ouais. Ouais, j'étais à Cuba. Je sais, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais je voulais juste vous dire que la semaine dernière, j'étais à Cuba. Et vous, c'est... Les grèves, tout ça. Ah, les pauvres. Non, moi je suis contre la Saint-Valentin, faites trop commercial. Et il y a un truc qui vient d'arriver là, je sais pas si vous avez suivi, c'est pour aller contre la société de consommation, c'est le mois de février sans supermarché. February without supermarket. Et on a déjà eu le mois de janvier sans alcool, hein, février sans supermarché. Du coup j'ai une idée pour le mois de mars. J'ai pensé au March without asshole. Mars sans connard, on peut dire un peu. Et le principe, il est simple. En fait, si t'es un connard, bah, tu restes chez toi. Voilà, c'est ça. Du coup, si vous me cherchez, moi j'habite rue de Lancry, au niveau du canal Saint-Martin. Foyer de tous les connards de Paris. Voilà, et qui dit Saint-Valentin dit couple, etc. Mais il dit surtout enfant. Et qui dit enfant dit la petite vanille. Alors ouais, ouais, faut m'aider, on va y aller là-dessus quand même. Au début, j'ai vu une mère a mis la vanille dans une benne à vêtements. Moi, j'ai pas compris, mais c'est tu vois, pour moi la vanille, une petite crème brûlée, tu vois un truc. Voilà, j'ai senti que j'étais tout seul là-dessus. Et en même temps, c'est de la cul, hein, si j'en parle dans 3 mois, ça a plus de sens. Hein. Du coup, on va changer de sujet. Hein. Qui dit vanille dit nourriture. Et qui dit nourriture dit grinderie. Alors merci, grinderie. Ah, grinderie, c'était exceptionnel parce que moi au début j'ai lu. J'ai juste vu un employé de la mairie de Valopéret, masse sa patronne. C'est un beau people cambodgien et tout le monde s'amuse à l'appeler grinderie. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait le pitch de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est les Balkany, tu vois, c'est les Balkany, toujours au top, tu vois, saison 8, avec la chien. Non, ils sont exceptionnels, moi franchement j'en loupe pas une miette, tu vois, l'autre qui arrive, et, oh tiens, Grinderie, oui, tu donneras ça à mon mari.
Puis t'oublies pas ça, enculé. Enfin. Bah, Grindry, c'est un petit bot people. Jacques Chirac, à l'époque, nous a dit de prendre des bot people. Alors, j'ai pris des bot people. Et je dois dire que depuis qu'il est à la mairie, on n'a plus aucun problème de cervical. Hein, là. Ah, mais c'est fantastique. Les Balkany sont toujours là. Tu vois, et t'as l'impression qu'ils ont fait le max. Mais non, ils arrivent encore à. Pour moi, ce sont des exemples pour tous les sportifs de haut niveau. Et l'extrait que j'ai préféré, c'est quand elle a dit « Oui, il a un prénom imprononçable. Alors du coup, moi, je l'ai baptisé Maurice. » Mais personne rigolait. Alors là, j'ai eu l'idée, Crindry, puis on a toute la mairie. Du coup, comme c'est drôle, moi, j'ai imaginé l'inverse. Sachant qu'Isabelle Balkany est de confession judaïque. Vous voyez où je veux en venir. Ah, imaginons la petite Isabelle fuyant le régime nazi dans les années 40. Et se retrouvant comme par hasard dans une mairie au Cambodge. Étoile jaune. Alors, t'as dû devancer à mon mari. Puis t'oublies pas sa grosse pute. Enfin, étoile jaune. Alors, je veux dire que depuis qu'étoile jaune, une petite rescapée d'Auschwitz est arrivée dans notre mairie, on n'a plus aucun problème de trésorerie. Hein. Non, moi je veux dire, j'ai eu du mal. J'ai du mal à prononcer son prénom, voilà, c'est vrai. Alors du coup, au début, je l'ai baptisé Meng, la petite Meng. Puis bon, personne rigolait. Alors j'ai l'idée, étoile jaune, et alors toute la mairie. Alors oui, il y en a qui vont dire, comment il fait, il compare la Shoah avec les pot people, etc. Bah, je le fais parce que déjà, je fais ce que je veux. Hein. Et puis surtout, je ne fais pas de hiérarchisation dans la souffrance, voilà. Donc Isabelle, si tu me regardes, j'espère que ton mari va te faire ce qu'il a subi en prison pendant des mois. D'ailleurs, ça, on peut en parler, c'est très drôle. Le mec sort le lendemain, il est sur BFM, hein, soi-disant, il était mourant. Franchement, à part avoir mangé un haricot magique, je vois pas comment il a fait, le mec. Hein. Oui, il faut avoir suivi Dragon Ball Z pour comprendre cette blague. Évidemment, c'est ça à tous. Trop d'actu. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis revenu de Cuba, c'était dimanche. Je suis arrivé, moi, submergé, parce que là-bas, il n'y a pas internet. Et exceptionnel, parce que on a quand même le mois de l'année le plus court, le mois de février. Et c'est quand même le plus chargé en saloperie. Là, j'ai vu Hanouna 2022. Alors, je sais pas d'où. Et en même temps, je me dis pourquoi pas. Parce que c'est vrai que entre le régime des retraites et des nous dans le slip. Je préfère que mes bourses trempent dans la sauce bolo, tu vois. Et du coup, qui dit bourse dit testicule. Et qui dit testicule dit Benjamin Griveau. Yes, ça commence à venir. Talent. Ah, Benjamin Griveau, oui, très rapide. Benjamin Griveau, bon bah voilà, on en a parlé. Hein. Moi, j'ai regardé la vidéo évidemment pour la scène de ce soir. C'était important de se renseigner. Et franchement. Belle bite, très belle bite. Autant j'aurais pas voté pour lui comme maire. Autant si j'étais PD, j'aurais bien voulu qu'il mette son bulletin dans mon urne. Non, techniquement c'est impressionnant. Et après voilà, c'est un peu chelou quand même parce qu'aujourd'hui il y avait des gens qui manifestaient les médecins etc hein, pour un truc important quand même ici dans la rue pour la santé. Hein. Et tout a été éclipsé par la bite de Benjamin. De voir la puissance d'un phallus, quand même. C'est impressionnant. Et quand même, moi, je me suis dit, peut-être que j'ai loupé un truc. Peut-être que, finalement, à l'instar de tous les personnels médicaux, le phallus de Benjamin Griveau est guérisseur. Hein. Après, je sais pas, j'ai pas goûté. Je peux pas dire. Et je vais terminer parce que, voilà, j'ai regardé un petit peu mon historique de recherche quand j'ai fini tout ça. Et Corona, Saint-Valentin, Sida, Hanouna, Bit. Ah, il me reste plus qu'à vous dire Camoulox. Allez, merci beaucoup. On va rappeler tout le monde, s'il vous plaît. Merci. On va très vite.